Breaking news. Breaking news. Breaking news. Congo-Brazzaville, présidentielle 2021. L'appel d'un ex-rebelle à la paix. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Après la réélection du président Denis Sassou Nguesso en 2016, le pasteur Ntoumi, ex-chef rebelle, a pris les armes. Cette fois, son souhait est que le prochain scrutin présidentiel se déroule dans la paix. Le Conseil national des Républicains, convaincu que la démocratie doit suivre son cours normal, pense que l'élection présidentielle doit se faire dans la paix. La transparence, la liberté et dans le respect des règles du jeu démocratique. Elle ne doit pas être l'occasion de réveiller les vieux démons de la division, la haine, de règlement de compte comme il y a de cela quelques années. Ils sont 7 candidats en lice, dont le président sortant, Denis Sassou Nguesso, âgé de 77 ans, dont 36 au pouvoir. Le parti de l'ancien chef rebelle, le Conseil National des Républicains, ne présente aucun et ne soutient aucune candidature. Les candidats à l'élection doivent faire preuve d'amour, de grandeur, de patriotisme et de fair play, a-t-il ajouté. En 2016, il faisait partie des rebelles, les forces régulières qui avaient contre-attaqué dans un conflit à huis clos, qui avaient déplacé un peu plus de 140 000 personnes, selon des sources humanitaires. L'ex-chef rebelle a présenté à la presse le chantier d'un hôpital qu'il affirme construire pour les populations de la zone. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.